KXTC Podcast. Le samedi 14 et dimanche 15 mai 2022, au domaine Saint-Laurent, route de l'aéroclub, à Pugéville, dans le Var, aura lieu la fête de la fraise. Nous avons demandé à Fabrice Leluyer des renseignements complémentaires sur cette manifestation. La fête de la fraise, c'est bien sûr beaucoup de producteurs de fraises, de vendeurs de fraises, de produits à la fraise, donc des dérivés de fraises avec des confitures, des coulis, des plants de fraisiers également à planter à la maison. Mais c'est aussi un salon du terroir où il y aura également de nombreux exposants avec de nombreuses nourritures qui sont fabriquées sur place ici dans la région, mais également beaucoup d'artisanat, que ce soit des sacs à main, des bijoux. Nous aurons bien sûr pensé à tous nos petits-enfants. On aura des poneys pour les promener. On aura également des ateliers assez sympathiques avec notamment un atelier maquillage pour enfants, un atelier confection de produits en jonc. Donc ça c'est assez original, c'est fabriqué par Fabrice qui travaille normalement que pour les musées. C'est de la vannerie contemporaine, c'est très très rare. On aura bien sûr beaucoup d'artisans locaux donc qui peuvent fabriquer des nougats, de la décoration. On aura également de la glace à la plancha, procédé qui nous vient d'Asie du Sud-Est, où la dame a une plancha à moins 23 et elle met des fruits frais dessus, de la crème, et elle nous fait des glaces. On aura bien sûr des biscuits de Corse, on aura aussi des truffes et des produits dérivés de la truffe. Également une possibilité de se nourrir sur place avec ou des coquillages et crustacés, mais également des grillades et des assiettes de charcuterie. On aura aussi pas mal de choses, donc c'est tout un ensemble, on sera environ 40 exposants pour vous présenter beaucoup de choses autour de la fraise, accessoires, et également produits du terroir. KXTC Podcast.